Sébastien. Je suis diplômé 2022 du Master Grande École d'Excelia. Il y a 7 ans, j'étais comme toi, sur les bancs du lycée. Je suis arrivé à Excelia pour ma licence, donc après 2 ans de classe préparatoire, où l'année se constitue en 4 événements majeurs. Donc une première période de cours où on voit les bases du management, de l'économie et du monde dans lequel on vit. Ensuite, une première expérience incroyable, c'était le Cap Anglo. Donc partir 2 mois dans un pays anglophone pour aller parler, découvrir, explorer. Et j'ai eu la chance de le faire à Londres. J'ai choisi de travailler dans un magasin qui vendait des vêtements pour être au contact de la clientèle, améliorer mon anglais. Après ce Cap Anglo vient une deuxième période de cours dans laquelle on expérimente beaucoup dans le cadre des associations. Pendant cette période-là, on est vraiment en train d'appliquer dans nos associations, dans le monde associatif, ce qu'on voit et ce qu'on apprend pendant la partie cours. C'est une période très intéressante puisqu'on est vraiment dans une phase d'apprentissage par l'expérience, par les tests, par l'échec aussi. On est ici pour mettre en pratique vraiment ce qu'on fait tous les jours. L'événement majeur qui clôture la première année du Master Grande École, c'est la mission Humacité. Moi, je l'ai réalisé dans un cadre un petit peu particulier, 2020, année Covid, comme vous le savez. Je suis rentré dans le plus bel endroit du monde, là où j'ai grandi, dans les Gorges du Verdon. Et tout en assistant aux cours en distanciel, j'ai participé aux missions de sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de cette mission pour aider mes collègues et dans une période extrêmement dense sur les sujets de la santé publique. J'ai effectué ma dernière année en alternance chez Allianz dans le cadre d'un double diplôme banque gestion de patrimoine. J'ai pu donc avoir une période en cours et une période en entreprise qui lie encore ce côté j'apprends, j'expérimente, j'explore, qui pour moi est très important dans le cadre d'une école de commerce où on va vraiment pouvoir tester et découvrir en fait ce qu'on a appris et comment on peut s'améliorer sur tous ces sujets-là. À la suite de cette année, donc, j'ai été diplômé. J'ai découvert les métiers de la banque dans le cadre de cette alternance. Et ce qui me manquait, c'était la partie management que j'avais pu expérimenter pendant mes années à Excelia. J'ai pu rejoindre à la suite du diplôme la Banque Postale en tant que directeur de secteur pour avoir des équipes de commerciaux à manager tout en restant dans un milieu orienté bancaire. Ce qui est bien avec un profil d'étudiant qui est passé par les écoles de commerce, et je le vois quand je fais du recrutement, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tous les métiers et faire vraiment ce dont on a envie. De ce que je retiens de ces années à Excelia, c'est vraiment la partie amicale où on a une vie incroyable à La Rochelle, on rencontre plein de monde, et la partie professionnalisation où on se développe en tant que manager.